สวัสดีค่ะJespère que vous allez bien. Cette vidéo va vous présenter comment dire je suis fière de toi en thaï. Regardez. M, comment tu dis je suis fière de toi en thaï? On dit chan phum jai nai tua theu. Chan phum jai nai tua theu. Est-ce que c'est pareil pour un homme et une femme? Oui, c'est pareil. Mais pour un homme, je peux dire pomme. Tu remplaces chan par pomme. Oui, c'est ça. Comment tu vas dire je suis fière de vous? Le vous de politesse. Ah, d'accord. Donc on dit chan poum jai nei tua kun. Ou si vous êtes un homme, vous pouvez dire pomme poum jai nei tua kun. Et si il y a vous plusieurs personnes, je suis fière de vous, comment tu vas le dire? Comme ça, on dit chan poum jai nei tua pouak te. Pouak te. Oui, parce que tua c'est que te, mais vous c'est pouak te. D'accord. Pouak te quand vous dites le vous pour plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Ou si plusieurs personnes. Plusieurs personnes que vous ne connaissez pas. Oui, donc. Chan poum jai nai tua pouak kun. D'accord. Par exemple, tu as réussi ton examen, je suis fière de toi. Comment tu vas le dire? Donc, te sop pan. Te sop pan. Si tu as réussi ton examen, te sop pan. Chan poum jai nai tua te. Chan poum jai nai tua te. Merci. Donc, si on pose une question à quelqu'un, est-ce que tu es fier de toi? Comment tu as posé la question en thaï? Oui, donc en fait, c'est la question fermée. On ajoutait mai après. Mai. On dit tu es fier de toi et ajoutait mai. Oui. Donc, te poum jai nai tua te mai. Oui. Te poum jai nai tua te mai. Et pour répondre, oui, je suis fier de moi. Donc, chai, chan poum jai nai tua chan. Chan poum jai nai tua chan. Merci. Merci. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous servira pour communiquer avec les Thaïlandais. Merci de liker et de partager. Leo Chinkankang.